Bon, ah et ben ça y est, on va enfin quitter cette île de merde! C'est génial. C'est génial. C'est quoi? C'est Up the Creek. Ça, c'est pas beau. Pardon. Ah, c'est pas le moment d'avoir le hoquet. Tiens. Buvons un peu de boisson gazeuse sans trop faire de publicité. Pepsi. Bref. Donc, 2 secondes. Bon, alors, Up the Creek. C'est parti, let's go. Ah, bon. Qu'est-ce que ça va nous offrir ici? Ah oui, enfin un peu d'eau. Je crois avoir reconnu le tableau. Le tableau juste après. Ça, ce sont des nénuphars qui coulent. Je m'en rappelais plus depuis que. Je sais que j'avais fait un niveau avec des nénuphars. En fait, oui, voilà, c'est la plante rouge qui se referme uniquement quand on est dessus. La plante violette, elle arrive à se refermer. Enfin, elle se referme en diverses fréquences. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je retienne, mais je ne m'en rappelais plus. 72 apples. Je vais bientôt avoir ma tête, qui sait. Voilà, la fameuse plante qui se referme quand elle a envie, cette conne. Alors, là, je vais attendre le monkey. Le monkey, là, par contre, là, je vais en faire. Voilà, de la charpie. Vous savez qu'il y a une vieille. Enfin, une vieille. Je vais dire une vieille technique, en fait, c'est même pas une technique. C'est une préparation culinaire. Au. C'était où? Que je me rappelle. Ok. que je me rappelle. C'est ça, que je me rappelle. Voilà. Mais te guédave pas, déjà, pour commencer, puis après tu t'en rappelleras mieux. Au Cambodge. Au Cambodge. Eh bien, il y a une préparation pour. Là-bas, on mange du singe, en fait. Ils ont des tables assez bizarres. Ce sont des tables, en fait, coupées. Enfin, ils coupent la table en. Comment vous expliquer ça? Ils prennent le diamètre de la table, quoi. Voilà, ils sectionnent. C'est refermé, mais pourtant. Peut-être qu'elle se ferme plus vite que les autres, cette coquine. Ouais, voilà, ils coupent la table en deux, quoi. Et il y a un rond en fait au milieu. Au milieu de la section de la table en fait. Et ça fait une table qui s'ouvre et on peut. En fait ils mettent le singe au milieu de la table. Ok, c'est génial encore, en parlant de singe, voilà. Ils le mettent au milieu de la table. Et bon, une fois que la table est refermée, le singe lui ne peut plus partir. Il n'y a que, ben, en fait, que le cou qui passe autour du trou qui est au milieu de cette table. Et donc du coup, comme il ne peut pas s'enfuir, ben voilà. En fait, c'est comme ça qu'il mange le singe là-bas. En fait, il scalpe le singe en fait et il mange le cerveau du singe encore chaud. Voilà. C'est dégueulasse, me direz-vous. Mais moi j'aime bien. Ah ouais, non mais elle se ferme plus vite, hein. J'ai vu ça, je viens de voir ça. Enfin un checkpoint, tant mieux. Ça m'évitera de recommencer. Oh oui, des nénuphars! Je suis fou, c'est génial, je continue en freerun, yes! Ça, c'est pas un truc de beau gosse. Donc voilà. Ah, c'est dégueulasse, me direz-vous. Bon, remarque, hein, on n'est pas au Cambodge, là, ou autre, de toute façon, même au Vietnam, je crois qu'ils le font, en fait. C'est assez dégueulasse, me direz-vous. Bon, en même temps, c'est pas notre culture, hein. Ici, on mange des grenouilles, hein. Les Anglais, ils nous tueraient pour ça. Je sais plus comment ils nous appellent d'ailleurs. Le style de Crazy Frog, là, ils nous appellent les Français. Bref. Je m'écarte, mais bon, hein, vous savez, on est dans un let's play. Oh putain. J'ai voulu tenter, et en fait, j'ai pas voulu, en fait. Hein. à la fin, voilà. J'ai dit non. Donc voilà, on parle un peu de tout sur le let's play, donc hein, comme je vous ai dit, on se lâche. Ok, c'est génial. Ouais, faut vraiment que je calcule le temps. J'ai tellement envie d'aller vite pour essayer de clore ce niveau. Maintenant, voilà. Ah, ben c'est la fin, mais tant mieux. Bon, allez, on va reparler d'autre chose une prochaine fois.